4 mariages pour un lune de miel, une candidate, victime de racisme, balance. Nanusha assure qu'une concurrente déteste les Noirs. La semaine du 26 février 2018, Caroline, Nanusha, Sandy et Habiba, venues remplacer Christelle qui a dû quitter le programme pour des raisons personnelles, ont participé à l'émission de TF1, 4 mariages pour un lune de miel. En pleine diffusion, Nanusha a fait sur les réseaux sociaux une révélation surprenante sur les dessous du tournage. Cette jeune femme de 21 ans indique sur Instagram qu'elle ne retenterait pas l'expérience si elle avait le choix car c'est vraiment beaucoup de travail pour seulement 40 minutes de visionnage. Mais ce n'est pas la seule raison avancée par cette hôtesse de caisse qui pointe du doigt le comportement de certaines concurrentes. Il y a celles qui se prenaient pour des divas parce qu'elles allaient passer à la télé, d'autres qui étaient là juste pour la victoire et oubliaient de s'amuser. Nanusha, dégoûtée, poursuit en évoquant le pire dans tout ça, « Je suis tombée avec une candidate raciste, oui une candidate qui déteste les Noirs, qui a eu des propos très déplacés et racistes envers moi. » Alors que la mariée en question n'a pas été citée, les internautes ont été nombreux à deviner qu'il s'agissait de Sandy. Et Nanusha d'ajouter en guise de conclusion, « Juste un conseil, ne croyez pas forcément à tout ce que vous allez voir car ça reste de la télé, beaucoup de choses vous sont cachées par peur de la réputation de l'émission. » Mais il y a aussi des choses positives, j'ai fait de très belles rencontres, et j'ai découvert l'arrière-plan de la télé. Pour l'heure, Sandy ne s'est pas exprimée sur le sujet.